Bon, je pensais que les SS se défendraient un peu mieux. Je dois éliminer le général von Schurber et localiser la sortie vers le château. Alors je pense que c'est la troisième et dernière partie. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oh non, encore un site archéologique, je déteste ça. J'ai pas envie de lire en fait. Je suis un peu fainé. Oula, il y a des toiles là. Là, je me suis fait avoir. Je sais pas où je dois viser. Ils sont un peu partout en même temps, ça me saoule. Ok. Ah non, non. Ok, je crois qu'on va. Vas-y! Mange un peu de sauce là. C'est le problème du stand, c'est très fort. Ah, mais je suis con! J'aurais pu tirer là-dessus et l'exploser. Bon, bah si je meurs. C'est quoi ce truc? De toute façon, s'il m'énerve, je sors le Venom. Hein. Oh non, pas elle! Oh non, il y a des filles qui m'énervent. Ok. Une petite sauvegarde s'impose. Je vais sauvegarder toutes les 2 minutes, mais au moins je suis sûr. Voilà. Mon Dieu. À mon avis, il va falloir que je sorte le Venom. Il est où? Oh putain. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai fait une grave erreur. Je sais pas où je vais revenir. Du début, à mon avis. Voilà. J'ai fait une erreur de débutant. Voilà, j'ai voulu foncer comme un flamby et quoi. Je sais pas ce que c'est que ce flingue, j'ai l'impression que c'est un nouveau flingue. J'aimerais bien savoir parce que ça. Ah non, c'est un FG-42. Oh putain. Elle est nulle. En même temps, avec ce qu'elle a comme déguisement sur son corps. Ça m'étonne pas que je l'explose dans 2 secondes. Une petite porte. Je récupère les munis, c'est bon pour moi, c'est bon pour le moral. Ah ouais, elles ont perdu un niveau quand même. Hein. Ah ouais, tu vois, elles foncent tête baissée. Enfin, je dis ça, mais je suis en train de me faire latter là. En plus, je pille l'église et c'est super. Oh oui, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien, mais. Je conseille une petite sauvegarde là.
Kazam, le mec qui sauvegarde toutes les 2 minutes. Mais vous me remercierez. Ça vous évitera de vous taper là. Est-ce qu'il y a un peu de bouffe là? Ça serait un peu sympa. Peut-être en dessous. On peut pas passer. On peut pas passer, d'accord. Ok. Ça sert à rien. On peut pas passer. Bon bah on peut passer que là. Si là ça marche pas, il y a un problème. Ok. Ça c'est beau ça. Quand t'esquives tout. Je vais quand même regarder au fond. Voilà, par curiosité. Enfoiré. Avec un looger, il... Oh, c'est énervant ça. Voilà. Hot 1000. Là, il y avait un mec là, non? Oh, enfoiré. Ah, mais il doit être au-dessus. Je vais me le farcir. On peut plus rien faire, hein. C'est quoi le problème de... Ça sert à rien, tout ça. Et écoutez, c'est sympa, mais je fais quoi maintenant? Je peux aller nulle part. Ah, je peux peut-être sortir par là. Ça me semblerait étrange, mais... Non. Et puis la musique bien stressante, bien évidemment. On sait pas quoi faire. Quelle horreur. What a horror. It's horrible. Je ne sais pas où aller les enfants là. J'ai tout essayé hein. Ça se marche pas. Et là on peut pas. Qui bloque? Non mais à mon avis il y a un... Il y a un mec qui... Attendez, on va sauvegarder avant. Parce qu'à tous les coups je vais me faire exploser la tronche. Allez, voilà, allez. Voilà, il a lâché son flingue. Il faut que j'aille sur la corniche. C'est risqué ce que je fais, hein, là, mais... Attendez. Oh, le piano à queue. Super. C'est un vrai piano à queue. On peut rien faire, ok. Mon dieu. Bon, je me le suis affilé. Tu reviens, je t'explose. Ça me semble clair. Mais ah oui, il est super rapide. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui aimeraient échanger un mot avec moi? On peut pas. Ok. Ok, non mais je suis chaud là. J'ai pigé le... On va sur toi. À mon avis, il doit y avoir d'autres personnes. Ouh, les deux en même temps. Voilà, ça c'est parfait. À mon avis, je vais pouvoir descendre par là. Au niveau des bibliothèques. Ok.
Ok, la petite elle va arriver. Attends, lui faut. Ah, c'est une femme. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres femmes qui aimeraient me dire quelque chose? Je suis à 5 cm et il lui faut quand même 3 balles pour qu'elle meure. Ok. Cette musique n'a jamais duré aussi longtemps. Profitez-en. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? A mon avis, c'est fermé. Ah, c'est ouvert. Ok. Les choses se précisent. Allez, porte à double sens. On est dans une cantine. Là, je parie que c'est pareil. De l'autre côté. Exact. Te ferme pas. Ok, escalier. On a passé une étape. Sauvegarde. Je crois que je l'ai dans la tête là pour toute la nuit. Là. Ouh, ouh, j'ai eu peur. Est-ce qu'il faut le Venom? Mais il rigole pas. Ah, je crois que la dame s'est fait avoir. Ouh là là. Ça fait marrer comme j'esquive les trucs à récupérer, hein. Y'a rien. Est-ce qu'il y a d'autres messieurs qui ont un problème? À mon avis, ils sont là. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, non, mais attendez, il doit rester des petits trucs là. Ah bah non, c'est tout ce qu'il y avait. Un petit repas. Et bah parfait. Voilà. La petite fois au Panzer était quand même pas mal. Bon, j'étais stressé là. On a eu tous les types de monstres. Manque plus que les mecs archéologues, avec leurs pinceaux. Ok, il reste donc la quatrième partie. Localiser le site de la cérémonie de machin et tuer tous les super soldats. Oh. Ah bah j'ai pas fini là. Mais c'est Skyrim. All right, Madame Blavatsky will begin the ceremony anytime now. C'est toujours des femmes qui sont derrière ça. Make sure that you do not look in the direction of the rooms. What will happen if we... If you look? Well, first your blood would begin to boil. And after that? Well, it doesn't matter very much after that, yeah? Stand your post here and make sure you do not lose power. Understood? Jawohl! C'est un peu crétin quand même de se battre en talons, enfin je veux dire. Enfin bon, c'est une femme. Je ne comprends pas tout aux femmes. C'est méchant ce que je dis, hein. Enfin non, c'est pas spécialement méchant. C'est vrai, je ne comprends pas tout. Mais attends, cette porte est contre moi. Il y en avait un troisième si je ne m'abuse. On va aller le chercher au Sten. Voilà. Parfait. Eh ben on va tenter là, de ce côté. C'était pas le bon. Eh ben on va le tenter du côté droit. Non, je joue pas. Peut-être que je dois aller tout droit. Fallait que j'aille tout droit. Sauvegarde. Puis bien sûr la musique là qui me fait flipper.
sais pas si je dois aller à gauche, à droite, devant. Putain, mais comment je vais m'en sortir? Les super soldats, il y en a au moins 12 500. Tu sors, j'explose. Elle est morte ou pas? Voilà, maintenant elle est morte. J'ai peur. Je vous jure, j'ai peur là. Ce truc, elle est immonde. Enfin, elle est immonde. Elle fait mal. J'aimerais pas l'avoir en esthéticienne. Vous vous rendez compte quand même le nombre de conneries que je balance à la minute. Faut que je prenne le vector. Ah non, peut-être ça. C'est peut-être ça qu'elle aime pas. On va voir. C'est de la merde ce flingue. Ah mais ça la touche pas. D'accord, j'ai plus de munitions. Super intelligent. C'est un mec. Excuse-moi mon gars. Je trouvais tes lignes sexy. Il y en a encore une, j'en suis persuadé. Non? Je deviens fou. Je suis bête, je l'ai vu dans les arbres. J'ai fait une sauvegarde quand? Oh putain, le con. J'ai pas sauvegardé depuis un millénaire. La peur m'envahit, mes enfants. Je crois qu'il faut viser les seins. Bon bah les fesses. Ok, sauvegarde. Puis la musique, moi ça me fait peur. J'aurais dû mettre Dr Alban derrière. Ok, on va mettre Dr Alban. Non, je peux pas. J'ai oublié que j'étais en train de jouer.
jure, je suis en stress là. J'ai même plus envie d'aller aux toilettes là, j'ai tout fait dessus. Faut qu'elle descende la gueuse. À mon avis, c'est pas mal là. On continue. Eh oui, 62 vies, j'ai quand même économisé. Ok, on peut pas péter le phare. Pas de l'eau, y'a rien. Je peux rien faire. Je suis paumé. Ah non, je vais encore rester 3 ans. Merde. Putain, et puis j'en ai marre d'avoir 10 fois trop de flingues. Ok, elle est tombée. Fait quoi là? Ok. Ouh, j'arrive au truc là. Je sais, j'ai sauvegardé il y a à peine 2 minutes, mais c'est pas grave. Non, j'y crois pas. Je la vise depuis 3 quarts d'heure et elle sent rien. Ça, je vous jure, j'ai envie de pleurer là.
party, people happy, people jumping on the party, so shout. Quelqu'un là. Dis-moi que la mission s'arrête là, je t'en supplie. Ah, merci. Putain, alors là... ce qui est marrant, c'est que... quand j'ai commencé Wolfenstein, je me disais... ce sera vraiment un truc pour rigoler, fun... les missions sont marrantes et tout, mais... là, les dernières missions, mais je flippe comme c'est même pas possible. Je suis allé aux toilettes, parce que j'étais en train de me faire dessus. À cause de ces deux super soldats de je sais pas quoi là. Putain, je pensais vraiment pas que j'allais réussir à avoir le deuxième. Avec le canon Tesla je sais pas quoi là. Bon alors je regarde juste ce que j'aurais à faire pour cette dernière mission donc. Nous avons aucune information pour vous à ce moment. Concernant votre mission. Vous êtes dans un terrain absolument inconnu. Et il revient à vous de trouver la meilleure action à faire. Si vous n'êtes pas capable d'empêcher les super soldats de devenir des chevaliers noirs, alors vous devrez stopper Blavatsky ainsi que son rituel de résurrection. Le destin de la vie, gna 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 gna. Ok. D'accord. Donc je vais lancer, comme d'habitude, il y aura peut-être une cinématique et puis ensuite on s'arrête. Ok, il n'y a aucune cinématique. Donc on va se faire une petite sauvegarde. Et attendez. On va appeler ça...
Voilà, je rebaptise cette mission trouille. Putain, j'ai tellement peur. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Je sais pas combien de temps dure cette mission. Enfin, dure cette, cette vidéo. À mon avis, 1h30. Peut-être un peu moins. Mais pff, quelle horreur. Ça se sent que c'est les dernières missions et je redoute vraiment le boss final, parce que quand je vois que là, des super soldats normaux, c'était impossible. Mais alors des super soldats qui se transforment en chevaliers noirs de la mort qui tue de sa chèvre, je sais pas. À mon avis, ça va être 10 fois pire. Donc je me prépare là, psychologiquement. Je vais changer de jeu. La prochaine vidéo, ce sera du Diablo. Un truc que je maîtrise bien, où il suffit de cliquer sur les monstres tout le temps, tout le temps. Et puis, non mais je suis content. Voilà, la série avance bien et là plus qu'un épisode et ce sera terminé. Et j'avoue que c'est la première fois que je joue à ce jeu sur PC. Avant je l'avais sur PS1, non PS2. Et je dois avouer qu'il était quand même plus simple sur PS2. Là le PC c'est assez perturbant et horrible. Là la musique me fait flipper mais comme c'est pas possible. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, prenez soin de vous, je suis content de refaire une vidéo comme ça, je sais pas si j'aurai beaucoup de temps plus tard pour en refaire, mais c'est sûr je vais en refaire, hein. Mais il faut pas s'attendre à une cadence de vidéo très élevée. Voilà, et ben merci à vous, encore une fois, ça doit faire la 10e fois que je vous le dis, mais merci, ça me fait plaisir d'être avec vous et que vous soyez avec moi, je sens que il y a vraiment des contacts et des gens vraiment géniaux parmi vous. Et voilà, ça me fait tout simplement très plaisir. Donc passez une bonne nuit, une bonne matinée, un beau moment en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.